96. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va merveilleusement bien. Ça va merveilleusement bien. Et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure avec Assassin's Creed. Ouais, ok. Ouais, je suis plus que prête. My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed. Waged by two groups I never thought were real. Templars and assassins. The Animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. 1,000 years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using it. Using me to search for something. Call it the Apple. It's an artifact. One of many so-called pieces of Eden. Templars collect. It's how we stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now? Now I'm afraid of what will happen if I don't. But I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. She's gone now. She's taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her, or what'll happen to me. All I know is I need to get out of here, and I need to do it soon. My name is Desmond Miles, and this is my story. Commence pour de vrai. Génial, c'est là. Voilà. J'essaie juste de voir si je peux mettre. Ouais. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Now! Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then... Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Well, okay. Oh, my love. Mi dispiace. I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Aww. Tu sei un uditore. Sei un combattente. Perciò,
combatti. Listen to him. A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Get up. Let's go. Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Ah, bah oui. Bon, je vais aller voir si je vais dans le menu principal. Ah oui, c'est vrai. Je vais voir si je vais dans le menu principal, si je peux pouvoir... Si je vais pouvoir le mettre en français. Ah ah! C'est des fois à partir du menu. C'est des fois à partir du menu du jeu, tu peux y aller pareil. Mais apparemment, dans cette game, tu ne peux pas le faire. Il faut partir. Lucie, où t'étais passée? Pourquoi ils t'ont... Maintenant. Maintenant qu'on a ça. Bon, et voilà. J'ai quand même joué au poignet en français, fait que c'est mieux pour moi. Puis je peux faire des choses en français. C'est quoi ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute, au mieux nous avons 10 minutes. Pas plus. Avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'animus. Ok, ok, bon, comme ça. Bien. Dépêche-toi. Mais oui, voilà. Oh, ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Non. Donnez-le-moi. Giovanni. Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant, alors. Mm-hmm. Mon fils. Bats-toi. Tiens. Ah. Ta. I. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Comment allons-nous l'appeler, mon amour? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Bon. Debout. On s'en va. Ouais, ben, donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. Bon. Tu peux-tu courir plus vite? Ça serait pratique. On va vraiment se tirer d'ici, alors? J'espère. Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Hé, hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Je répète. Ok, j'aimerais ça pour recherche. Il faut que pas rester là. Personnel de sécurité. Mais oui, mais en je sais. On va avoir besoin de renforts. Apparemment, ils sont en verre.
Sympa. J'ai même pas les commandes. Ça doit pas être simple de nettoyer. Les voilà. Ils doivent pas s'échapper. Oh wow. C'est pour ça qu'elle a du sang, Shuri. Eh oui, je m'en viens. Dans 10 ans, peut-être, je vais arriver à destination. Sans faire tuer, évidemment. Regarde-moi cet endroit. Sérieux, je pèse en ce moment tous les boutons pour savoir s'il y a un bouton pour courir, mais il n'y a pas l'air d'en avoir un. Je les ai programmés pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su de tes escapades nocturnes? Pas bête. Ouais, je sais. Desmond, il nous cherche. Il faut pas traîner ici. Ben, j'imagine. Attention. Quoi? Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. Je pense qu'on n'aurait pas bien joué. Surtout si je suis pas capable de courir. Il y en a un là-bas, là. C'est ça, l'animus? Je ne t'éloigne pas. Je vais m'en occuper, Desmond. Ah, ok, si tu t'en occupes, vas-y. Ah, t'es bonne. Oh. Hé, hey, mais... Il y en a combien, au juste? Une centaine. Reste avec moi. Tu veux aller où, de toute façon? Au pluriel, on dit des animis ou des animaux? Toi, tu dirais quoi, Lucie? Lucie? Tiens. Ils ont vraiment besoin de tout ça? Desmond, pour une fois, tu veux bien la fermer? S'il te plaît. Devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Ah ah. Merde. Oh, allez. Vraiment rien. Allons-y. Un chat qu'est. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Le sujet 16? Ezio Audi... Audi machin? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. Mais où ça? Sécurité. Tu parles. Ce sera pas long.
Merci, j'ai adoré. Les boss, les secousses, super. Tu viens? Bon, tu vas me dire ce qui se passe maintenant? On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin? Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Oups. Lucie, tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières, je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux, surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh! La mémoire centrale! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Mais ça veut prendre un bail, ça. Hé, Lucie. Je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Lucie, je vois des choses. Les symboles dans ma chambre. Le code sur le clavier. Exactement comme Altaïr. C'est l'effet de transfert. Tu ne te contentes pas d'absorber les souvenirs de tes ancêtres. Tu hérites également de leurs aptitudes. En l'occurrence, la vision d'aigle. Pardon? T'es beaucoup plus réceptif. Si ça se passe comme prévu, tout ce que Tio apprendra dans l'animus, tu l'assimileras. Tu crois vraiment que ça va marcher? Que je vais devenir un assassin? T'es déjà un assassin. Tu vas seulement t'améliorer. De toute façon, tu ne peux que t'améliorer. Sérieusement, j'ai visionné les vidéos chez Abstergo. Tu n'as rien fait pour t'échapper. Quel con, celui-là. Désolé, Desmond. Pour le moment, je suis occupé. On discutera plus tard. Ah, je savais pas comment m'échapper. À quoi ça sert, ce truc? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Tiens, Desmond, fiche-moi la paix.
Il est vraiment pourri, là. Hey Desmond, ça va? Je me demandais, en quoi consiste ton travail? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance, si tu préfères. Le bébé? Tu veux dire l'Animus? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Apsnou, c'est évident. Mais il manque d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. Non, ok. Monter dans l'Animus. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Inspire à fond. Ah! Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean! Quoi? C'est parti! Oh, je suis que enthousiaste. Unis pour la victoire! Tous unis! Silencio, mes amis! Silencio! Grazie! Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur! Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous, ce n'est que pure calomnie, grullo! Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Contardo, tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Au! Ça, c'est pas ma belle chouette, hein, t'as pas dans le jeu. Tu vas rester planté là, indéfiniment. Toi. Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Là-bas.
que je fais juste n'importe quoi. Que se passe-t-il? Pourquoi faites-vous ça? Repliez-vous! Repliez-vous! Bon. Attends. Quoi? Il faut les achever! Ta lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Oui, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Où il est? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Bon, ok. Va bene. Ça devrait suffire. Il faut partir, les gardes vont arriver. Oh, t'es là, fly hello. Allez, Ezio. Plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. Salut, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Le joli minois, c'est son seul atout. Fuck, Titi. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Bien. Ok. Quelle nuit. Ça oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. Ok, ouais. Well. Allons-y. Je compte jusqu'à trois. Pourri. Uno. Due. Tres. Hé hey. Tu as beaucoup à apprendre, petit frère. Ah, putain. On dirait une tortue. Putain. Oh my god. Bon, j'aurais pas gagné la course, là. Ah, il va n'importe où. Je lui dis d'aller là, il va l'autre bord. Ah, oh, j'ai la vie. Oh, puis je vois même pas la vie à cause de moi. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. Oh my god. On dirait une tortue. Bon, je gagne pas la couche encore. Oh, mais my god! Monte sur le fucking toit! Ok. Oui, il devient tendu. Il fait n'importe quoi, le bonhomme. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. Bon, hey! On dirait une tortue!
va. Faut pas se... Monte. Et... Oh, je l'avais quasiment. Juste, c'est une vraie tortue. Ah oh, ouais, là. Oui, c'est fucking erase. On dirait une tortue. Oh, mais si... Non. Bon, je vais le laisser gagner. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. Oh putain! Une tortue. Tu vas commencer? Non, je peux pas recommencer. Celui-là, il n'a peur de rien. Bon. Je sais pas qui gagne. Bon! Hey, j'espère que là, ça va être la bonne parce que. Ça commence à me gosser là. C'est tellement long avant que ça load. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. Bon. Ah putain. On dirait une tortue. Mais je sais. Si tu veux pas mon. Jump. Bon, il va encore gagner. Pourquoi quand je te dis de sauter, tu sautes pas? Non, et ce n'était pas la bonne. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. Bon. Non! Oh, tu me fais perdre mon temps. Je fais juste sauter. Oh putain! Bon, il va encore gagner, ce petit crétin. Saute des murs quand j'ai pas dit de sauter des murs. Là! Pourquoi il va là comme ça? Oh my god! Tortue! Monte! Oublie ça là, il a gagné encore. Oh! Pourquoi tu fais ça, Kim? Oh! Oups. Il est pas capable de monter sur le mur comme je lui demande. Je suis crétin. Tu as beaucoup à apprendre, petit frère. On dirait une tortue. Non. Oh, allez, monte. Bon, il était temps. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. Bon, je m'en viens. My god. C'est qui m'a énervé? Ok, j'ai dit d'aller sur l'autre roche. Oui, comme ça. C'est pas compliqué. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? Bon. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer?
Très bien. Assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi ? Ezio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah. Eh oui. Why not? Oh non, c'est Vieri. Je vais me cacher. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Bon, ok. Juste aller essayer de voir quelque chose. Non, il va falloir que je retourne dans le menu puis. C'est-tu sauvegardé, là? Ok. Là. Je vais aller voir la belle Christina. Oh. Christina! Christina! Qui est là? Moi! Oh! Ezio! Ezio! J'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer? D'accord, mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends, tu m'as mal compris. Approche. Oh, Ezio. Oh, Ezio. C'est intéressant. Christina ? Christina ! Réveille-toi ! Ton précepteur va arriver. Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Figlio d'un cane, que fais-tu là? Pardonnez-moi, messere. Je suis désolé. Je vais te tuer. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde, garde, rapportez-moi sa tête. Maintenant, allez-y. On ne va pas s'énerver tout si peu quand même. Je crois que vous me confondez avec un autre. Totalement, oui. Il veut des choses. Je suis presque innocent. Presque, ouais. Buongiorno a voi. Yeah, buongiorno. Chers clients, mes prix sont tout simplement à... Quoi? Impressionnant. Mais évitez de faire ça devant les gardes. Ouf. Ouf. Oh, j'ai eu chaud. Oh. Ok, on y va. Je vais aller faire ça. Puis... Ok, c'est même pas obligé de faire ça. Ok. Va monter. Hey, je peux pas être en même temps. Ok, il est à l'autre bout. Ça doit être ça, genre là-bas. Oh.
Oh non, ça doit être bien ça en haut. Là. Ok, par là. Allongé. Yo. Monte, idiot. Parce que quelqu'un, j'ai dit idiot, mais j'ai pas dit. J'ai dit etchio. Bon. Oh, il y a des gars. Mais moi, j'en ai décidé que oui, ça avait le droit. Ça change pas le pas bien longtemps, mon ami. Bon. Il faudrait pas qu'il tombe, hein? Ça... Ok, j'étais pas dit faire ça, mais... Bon, on va devoir recommencer parce que... Il y a... Il a décidé qu'il sautait juste de même. Là, Ezio, ne fais pas l'imbécile cette fois-ci, j'apprécierais vraiment beaucoup. Moi, j'ai décidé que je venais ici, ok? Tranquillement. Bon. J'imagine qu'il faut que je monte le plus haut. Oh non, tiens, justement là. Et on s'éclamise. Wow. Yay. Encore bon, un étranger. Je vais juste essayer de faire quelque chose. Je vais aller... mettre le jeu totalement français parce que ça a l'air quand tu dis juste français c'est pour le parler. Option. C'est quoi? Non. Oui. Bon, ok. Non, ok. Je pense... c'est tout anglais. Ben, c'est pas grave, tant que l'histoire principale est en français. C'est pas si pire que ça. Quel manque de distinction. Je comprends pas l'armure. Non. Oh, c'est l'autre bord que j'ai. Ok, on va faire le tour. Encore un aventurier. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Non, tu m'as jamais vu. Je suis un parfait inconnu. Vraiment pas intéressant. Informe tous les habitants de la cité que nulle part ailleurs ils ne trouveront des produits aussi frais et bon marché. Votre attention. Bon. C'est vraiment bizarre. Bravate le mie salsicce!
Oh, papa! Je vous salue, père. Viens avec moi. Oh, t'as l'air pas mal. Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Peut-être. Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Hé, je me demande. Oh bon, comme je suis bien prêt. Oh, non. Non. Oh, sorry. Je vous trop dentoir. Ne lui achetez rien. Essaye de pas faire de mal à qui que ce soit. Entrez, cher client. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Moi, je fais ça. C'est... Vous devriez essayer, c'est fun. Oh. Tiens, en plus, vous mettez une échelle là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, tout. Non, je te monte dessus. Fallait bien que je dois y aller vraiment par étapes minutieuses. La corporation des banquiers conseille de ne pas se rendre chez les Pépémorions à Bologne. En effet, un membre de cette corporation, c'est l'un des services de cet Les jeunes hommes de la ville auraient même montré leur postérieur à notre honorable délégation. Attention, la seigneurie a appris que de jeunes hommes s'amusaient à escalader certains bâtiments de la ville. Oh, ma chance! Mais elle n'est pas non plus sans risque. Bon, il n'a pas l'air de vouloir sauter, pauvre petit imbécile. Je vais essayer une dernière fois parce que là. Bon, hey, bravo! Tu fais enfin ce que je te demande. Moi, mon but, c'est aller l'autre bord. J'espère que tu vas être capable sans trop de difficultés parce que. Ah, le voilà. Approchez, vous n'en croirez pas vos yeux. Hey. Ah, Ezio, mes respects. Vous allez bien? Comme toujours. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Mais là, j'espère que tu peux te donner la lettre. Putain. Ils sont partout. Bon, on va remonter sur l'échelle. Je vends les plus beaux habits de la ville, confectionnés dans les tissus les plus nobles.
va là-dessus. Yes. Ah, oh, attends, ben, je peux descendre ici, là. Tiens, il y en a ça juste là. Oh, oui. Ah, oh, ok. Buongiorno. Buongiorno, señorita. Petit frère, Biscero. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace est écartée. Oh yes. Je peux pas te parler? Ok. Oh. Carne fresca, frutta e verdura. Oh, qui c'est avec la porte qu'on interacte? Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Alberto? Le respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message? Oui, père, mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Ezio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elles. Vous êtes sûr? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Ezio. Je suis pas sûr si c'est content de te voir, mais... Hé, hey Claudia, ça va? Bene. Et tu es sûre que tu ne me caches rien? C'est Duccio. Qu'a-t-il fait? Eh bien, je crois qu'il me trompe. Qui t'a dit ça? Les autres filles. Je les prenais pour mes amis. Les garces. Tu ferais bien mieux de les oublier. Je l'aimais. Non, Claudia. Ça, c'est ce que tu croyais. J'espère qu'il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ne bouge pas. Je vais aller lui dire deux mots. Compte sur moi. On va massacrer ce connard. Oh. En même temps, on va aller faire le petit. Oh. Oh. Sérieux, je pense même pas que je peux me rendre. J'en suis sûr. Attendez un peu, Annie. Duccio, elle est magnifique. Tu sais que rien n'est trop beau pour toi, amore mio. Que fais-tu de Claudia? N'avais-tu pas l'intention de l'épouser? Mon père m'a dit que je ne devais pas me contenter d'une auditore. Oh!
Birbante, viens, marchons un peu. Marcher? Figure-toi que j'avais autre chose en tête. Oh, Duccio.
C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer? Oui, c'est promis. Oh, c'est cute. T'es dans mes jambes, monsieur, aussi. Oh. Ah, oh! Hey, Matt, le destroyer, je viens juste de commencer la game, alors... Ah, oh, si, pourquoi il a sauté? Bon. Ce n'est pas dangereux? Oui, c'est super dangereux. Un vrai petit animal de foire. Bon. C'est quand même pas pire game jusqu'à maintenant. Bon. Là, on va y aller doucement. Ok, la plume est où? Et où la plume? Et où la fucking plume? Ok, non, attends. Monte. Yep. Parle français. Mais c'est pas grave, je parle un peu anglais aussi. Bon. Ok, j'en ai une ici. Puis, ok. Oh, elle doit être l'autre bord. Par ici, par ici. No. Non, je sais pas quand ils l'ont sorti, en fait, j'ai juste acheté parce que je les avais sur la PS. Oh! Ici! Non! Non, 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 non! Ah! Ouh! Hey! Tout juste! Bon. Ben non, je sais pas c'est quand ils ont sorti ce remake de... Assassin's Creed 2, en fait, c'est Ezio Auditore Collection, là. C'est trois jeux dans sur un disque, ça. Fait que c'est assez cool, parce que j'arrivais pas à trouver un des jeux, je pense. Mais je sais plus c'est lequel. Je sais pas si c'est Révélation que j'arrivais pas à trouver, mais il y en avait plus. Alors, ouais. Voilà, comme promis. Grazie, Ezio. Tu ne veux pas me dire ce que tu veux en faire? Si, mais... plus tard. Non, maintenant. Dis-moi le maintenant. Bon. Ah, Mother. Hey, hey. Comment ça va, maman? Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à deux pas d'ici. Oui, je m'en viens. Bon, faut que je marche aussi lentement que toi. J'ai appris que tu t'étais battu. Qui, moi? Tion qui pèse sur son père. Francesco De Pazzi a de multiples... Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Non, ça, c'est le deuxième jeu. Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Toute cette histoire est très regrettable. Mais ce sera bientôt terminé. Oh my god, mère, on peut aller plus vite que ça. Bonjour, comment est-ce que votre fille? Et ça me rend folle de marcher aussi lentement que ça. Oh, Leano! Nous y sommes. Ok.
Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Enchanté. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Pas de problème. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mère. Allons-nous chez vous à présent ? J'aime ça passe. Oui, oui. Ezio, aide Leonardo, veux-tu ? Mais je l'aide pas vraiment, je fais ça déjà à sa place. Alors, Ezio, tu as un travail ? Oui, il travaille avec son père. Ah, tu veux devenir banquier ? Non, pas peut-être. Vraiment, mais... Et toi ? Tu es artiste. La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... Comment dire ? De finalité. Comprends ce que je dis ? Je voudrais que ma contribution soit plus concrète, plus directe. L'architecture, pourquoi pas ? Ou l'anatomie ? Je ne peux pas te satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh, Leonardo, vous réaliserez de grandes choses. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, madame. J'ai déjà joué au 3, fait que c'est correct. Bon. Puis, il n'y a pas de problème. Là. Même moi, j'ai de la misère à suivre les jeux. Au début, je pensais que le 3, c'est vraiment le 3, mais apparemment, il y en a un autre qui vient avant. Fait que... Et voilà, on y est, maman. Et voilà. Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire. J'ai été ravi de te rencontrer. Oui, rencontrer J'espère les femmes. Revoir bientôt. Moi aussi. Bon. Ok, faut que je rentre à l'intérieur. Toc, toc. Ezio, approche, mon fils. Oui. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité. Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene, je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait, nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie, mon fils, surtout évite les ennuis. Ok, je vais essayer. Mais c'est les ennuis qui me courent après, alors... Tu n'es qu'un escroc. Les marchandises que tu m'as vendues étaient avariées. Putain, c'est quel quoi? Oh non, je vais le faire. Oh my god, j'ai oublié c'est comment je vois... Bon. Tapeti! Oh, sorry guys, je voulais pas... Non, tu me connais pas. Au moins il a du cran, pas comme Arrigo. Dio del cielo. Est-ce qu'il a... Ankefa, il a perdu la tête. Bon, c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Oh, gosh. C'est bien. Ce pantalon moulant lui va très bien. Merci. Bon. Où es-tu? Oh! C'est comme... En face, là! Oh.
Peut-être qu'il est en dedans. Saute! Bon. Ça, je viens juste d'aller. Pas là. Fait que peut-être de l'autre. Ok. On va aller ici. Peut-être à l'intérieur. Ok. Bon. Ok, il doit être à quelque part là, parce que... Ok. On va essayer par là. Ok, il fallait que j'interacte avec les pigeons. Okay. Ok, bon. Ok, il y en a un ici. Votre attention! L'attendance souhaite rappeler à tous les chrétiens pour pratiquer la charité. Bon, ok, j'ai vraiment un peu de difficulté avec mon personnage. Hé, hey, Paris! Je m'en viens. J'ai un paquet de... Giovanni Auditore? Oui? On t'a suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Dis à ton père qu'il parte ce soir. Il devrait faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, hey, revenez! Expliquez-vous! Nous apparemons tous les respectés membres de la Corporation des banquiers de leur réunion. Bon, ok, prochain. La dû être repoussée. Le compte palonnier est en préalable régler certains problèmes juridiques. La réunion se tiendra après l'exécution. Mes prix sont si bas que vous n'en croirez pas vos yeux. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la sagesse. Oh, le trésor, je vais aller prendre le trésor avant. Et voilà. Tu es le fils de Giovanni? Non, mm-hmm. Idiota. On est juste tombé sur son sosie, par hasard. Donne-moi ça. T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. Bon. Fini. Oh, puis... Je sais même plus c'est comment je vais voir. Ah, map, voilà. Ok. Ah, oh, mais c'est juste à côté, il faut que je vais y aller. On va y aller. 40 mètres. On est vraiment juste à côté. Là. Des articles d'excellente facture. Je suis là, signorita. Oh, excusez. C'est ça ici. Non, je veux que tu montes ici. Sérieux, je veux te suivre, le gars.
sommes fiers de proposer des articles d'excellente facture, à des prix raisonnables. Ah, oh, c'est bien ça. Pas besoin de saigner. Juste pour voir qu'il fasse tomber ces trucs. Oh, là-bas. Et voilà, nous y sommes. C'est choix. Papa, j'ai fini! Père? Federico! Quelqu'un? Au! Cerezio! Désolé, vraiment désolé! Que s'est-il passé? Où est ma famille? Ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la Seigneurie. Pourquoi? En prison. Et ma mère? Ma sœur? Ezio! Claudia! Va bien? Oui, mais notre mère, elle est choquée. Elle s'est débattue, mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr? Oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudent, Miss Arezio. Les gardes vous cherchaient, vous aussi. Ils me cherchent tout le temps, de toute façon, parce que... Ça changerait quoi? Ammirate questi prosciutti! Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Oh, peut-être, mais pour le moment, je ne vais pas m'agaginer, alors... La Seigneurie a appris que de jeunes hommes s'amusaient à escalader certains bâtiments de la ville. Cette activité n'est pas illégale en soi, mais elle n'est pas non plus sans risque. Rien de plus facile que de se casser une jambe. Ok, on va aller par le toit. On va faire le tour. Il n'a peur de rien, celui-là. Non, vraiment pas. La corporation des banquiers conseille de ne pas se rendre chez les Bentivoglio à Bologne. En effet, un des membres de cette corporation... Et c'est où j'étais tantôt? ...des services de cet établissement... Oui, je vais monter, puis je vais descendre plus tard, ok? Ok. Ah,
avoir vu quelqu'un. Non, non, vraiment pas. Ezio. Père, que s'est-il passé? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Avec Annette? Oui, mais vous vous y attendiez, père? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous? Dites-moi! Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris? Mmh. Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau. Le Gonfaloniere, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Et ce coup des Pazzi? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va, Ezio. Tout de suite. Fabriqués dans les meilleurs forges. Approchez, mes amis. Une saignée chaque semaine, c'est la garantie du truc. Mes prix sont... Pas sûr, sûr, par contre, mon ami, qu'une saignée par semaine, ça va être bon pour moi. Buonasera. Père m'a dit qu'il y avait une porte ici. Ça à Monsieur Roberto. Je suis pas sûr que j'ai confiance en Roberto, mais si c'est ce que mon père veut, j'irai. Traditore! Hé, hey, rangez vos épées. Hey. Vous êtes censé m'arrêter, non? Non. Là-bas! Qu'est-ce que vous voulez? Seulement te tuer. Ça ne risque pas d'arriver. Il y a forcément une autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Wow. Eh bien, qu'avez-vous, mon ami?